partir dans les pays de l'Est, c'était une aventure. C'était le stalinisme le plus absolu. Et les gens, sur la route, on ne pouvait pas leur adresser la parole. Ils partaient, ils avaient peur d'avoir un contact avec un voyageur occidental. Mais la musique était tellement belle, et l'attrait pour nous tellement fort, que malgré tout, on n'a pas pu résister à y aller. Je parlais déjà il y a 40 ans de cette théorie que j'ai créée moi-même, que la musique roumaine va être un jour la base de la musique universelle.